On est à l'entraînement, au deuxième entraînement de la saison du FCA. Voilà, on a repris hier le chemin de l'entraînement. On va durant le mois d'août s'entraîner un peu plus qu'habituellement, que pendant la saison. On va s'entraîner trois fois par semaine. Voilà, avec deux matchs amicaux de prévu contre Colmar le dernier week-end d'août et puis contre Pajax le week-end du stage. Alors nous, ce qu'on attend chaque année, c'est de progresser par rapport à l'année précédente. C'est chose faite sur les deux dernières années puisqu'on avait perdu en barrage. Il y a deux ans et l'année dernière on perd en 32e de finale contre une belle équipe d'Avignon et Pontet qui termine sa course en demi-finale. Voilà, donc cette année l'objectif c'est vraiment de faire mieux, de continuer à se structurer et puis d'être plus performant pour finir dans les, on va dire, entre la première et la troisième place. Bah, d'un point de vue personnel, je vais reparler du collectif. C'est m'éclater avec ce groupe. J'ai en peu de temps, en deux ans, j'ai tissé des liens avec certains mecs, des historiques du club, etc., qui sont assez forts. Donc c'est déjà m'éclater avec le groupe. Et généralement, si on s'éclate tous ensemble, les résultats suivent, le plaisir suit. Et voilà, donc c'est un objectif individuel, mais qui est vachement mêlé à l'objectif collectif, quoi. Ah, il faut de l'agressivité. Parce que le rugby est un sport de combat, faut pas l'oublier. Il faut de l'agressivité, il faut beaucoup d'intelligence, parce que c'est aussi un sport stratégique. Et puis, on en parlait tout à l'heure, mais tout cet esprit de cohésion, d'entraide, forcément, ça va être un plus. Bah, d'un point de vue personnel, ça va être globalement de faire au mieux pour le groupe, de faire un maximum de matchs et aussi de prendre du plaisir. Pour ça qu'on joue et qu'on enchaîne toutes les saisons. J'espère qu'il va y avoir du monde au stade, voilà, qu'on va se régaler, qu'on va passer des bons moments, qu'on va proposer un rugby agréable et un rugby qui gagne.